Chers téléspectateurs de la chaîne Mukulu Télévision, bonjour, bonsoir, ça dépendra à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. L'émission, c'est Faites-nous confiance. C'est une émission qui parle sur beaucoup de plans. Et aujourd'hui, nous sommes dans un cadre social que nous allons recevoir pour vous une dame, madame Bora. Madame Bora Boukassa, vous allez bien, madame? Oui, ça va. Je commence d'abord à te présenter mes voeux le meilleur 2023. Merci. La santé, ça va? Ça va bien. Madame, qu'est-ce que vous faites dans la vie? En fait, je suis... Parlez un peu à... agronome. Ok. Oui, je suis aussi agricultrice. Je fais les champs dans la ville province de Kinshasa, précisément à Mengao. Oh, c'est de l'autre côté que vous êtes entrepreneuse. Oui, oui. Si j'étais obligé un peu de dire comme ça, quelles sont les études que vous avez faites, madame, avant de devenir... Je fais mes études universitaires à l'Université évangélique en Afrique. Université évangélique en Afrique. Là, nous sommes où? Dans la ville de Bukavu. Ok. J'ai fait 5 ans en agronomie. J'ai fini dans l'option phytotechnique. Madame, Malembe. Permettez, chers téléspectateurs, je sais que cette émission est suivie par les gens qui sont ici à Kinshasa. Vous dites quelle option? Phytotechnie. C'est que ça signifie quoi? Donc, je me suis spécialisée sur les plantes. Sur les plantes, oui, seulement. Les plantes. Il y a phytotechnie et zootechnie. Zootechnie, c'est sur les animaux, mais moi, j'ai fini en me spécialisant sur les plantes. Sur les plantes, et après les études de 5 ans. Vous passez aussi un temps de stage ou bien ça se passe comment? Oui, oui, j'ai fait 6 mois dans une ferme au plateau de Bateke. 6 mois ici, de déjà? Stage, oui. Après mes études, donc j'avais postulé à partir du site Kivu et ils m'ont recruté. Ils ont payé pour moi. Postulé où? Vous postulez comment? Ça se passe comment? Vous devez... J'avais postulé en ligne, oui. En ligne, ok. J'avais envoyé le lien, j'ai complété et après ils m'ont appelé, j'ai fait l'interview. Après encore 2 semaines, ils m'ont dit que je suis retenue. Okay. Ils m'ont envoyé les billets d'avion et je suis arrivée jusqu'ici à Kinshasa. T'as dit, si tu es ici, c'est dans le cadre des partenariats, si je comprends bien. Non, j'avais fini avec eux parce qu'après formation de 6 mois, ils m'ont retenue, j'ai signé les contrats. Contrat avec eux? Oui, oui, avec eux, parce que j'étais parmi les meilleurs. Merci. On prenait 2 jeunes dans chaque province de la RDC. Alors, j'étais parmi les meilleurs. On nous a pris, on était à 3. On m'a retenu. J'ai continué à travailler dans la ferme. Oui, j'étais chargée de transformation alimentaire. Et après, on ne nous payait pas. J'ai démissionné. Je me suis dit non. Je ne vais plus travailler pour quelqu'un, je peux entreprendre. De vous-même? Oui, oui. Maintenant, entreprendre déjà de vous-même, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Ou bien qu'est-ce que vous pensez faire? Bon, j'ai déjà réalisé, je récolte, donc je loue les champs vers Mekao, au plateau de Bateke. Après, je commence à cultiver. Après récolte, je trouve quelque chose. Mais à part ça aussi, j'ai mon centre de formation. Votre centre de formation? Oui, oui, centre de formation en agriculture. Comment cela est organisé? Les centres de... Les professeurs, vous êtes seuls, vous avez engagé des gens. Et la formation se passe de quelle manière? Quelles sont les filières organisées dans ces centres de formation? Oui, donc nous formons en agriculture, en élevage. En transformation agroalimentaire. Quand je parle de transformation agroalimentaire, donc tout ce qui concerne, par exemple, transformer des tomates en ketchup, transformer, faire du lait de soya, faire du lait d'arachide, faire de mayonnaise, et tout se fait naturellement, donc sans produits chimiques. Sans produits chimiques. Et là, quelles sont les conditions pour avoir accès déjà dans votre centre de formation? Pour les gens qui nous suivent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs, je vous avais dit, je vous avais déjà promis que la chaîne de Mukulu Télévision, d'ici 2023, nous serons disponibles à vous informer et de vous former.
Mais là, ça, là, c'est déjà aussi, ça fait partie d'une formation. Suivez attentivement cette mission. Madame, je disais les conditions pour avoir accès dans votre centre de formation. Pour avoir accès, on a besoin de tout le monde, surtout les jeunes. Mmh. Et nous encourageons aussi les jeunes femmes à venir s'inscrire. Mmh. Alors, on a mis à un prix vraiment qui est un peu bas. Parce que l'inscription, c'est 5000 francs et le paiement se fait par mois. Par mois, comment? Oui. La modalité est comment? Oui, donc en agriculture, il y a la formation théorique et pratique. Mmh. Pour la formation pratique, nous descendons sur terrain et on paye que 25 dollars chaque mois. 25 dollars par mois, oui. Oui. 25 dollars, c'est lorsque vous descendez sur terrain. C'est-à-dire, oui, disons, c'est la pratique déjà. Oui, oui. Ok. Et la formation théorique, on paye 20 dollars par mois. On paye 20 dollars par mois. Oui, oui. Et là, c'est au centre. Oui, au centre qui se trouve vers Kintambo Magasin. Vers Kintambo Magasin. Oui, oui. Maintenant, à part vous-même, est-ce qu'il y a d'autres professeurs là-bas, à part vous? Les encadreurs pour des enfants sont comment? J'ai des collaborateurs qui me guident parfois. Hmm. Oui. Vous avez des collaborateurs? Oui. Ils sont au nombre de combien? L'organigramme, c'est vous qui êtes à la tête? Oui, oui, c'est moi qui suis à la tête. Et là, la personne qui suit la formation est sanctionnée. Cette formation est sanctionnée de quoi? Après? On donne des brevets. Mmh. On les accompagne aussi, mais aussi après formation de 3 mois en agriculture, mmh, on les donne des terrains à exploiter pendant une année. Terrain à exploiter pendant une année, oui, gratuitement. Oui, oui. Par gratuitement, qui? Par nous-mêmes. Si je comprends bien, vous êtes bien organisé, vous avez des moyens, madame. Oui, oui. Vous donnez des terrains et l'estimation des... Ces terrains-là, c'est à peu près combien d'hectares? On les donne 1 hectare. 1 hectare? Oui. Des seuils ou bien... Oui, et ils sont accompagnés par nous après, je comprends, formation. Après formation, pour voir l'évolution. Oui, oui. Parce qu'on espère que dans une année, si on est en train de récolter, même récolter une seule fois, on sera capable de commencer à prendre leur propre hectare. Ok. Oui, oui. Je sais bien que de beaucoup de pays dans le monde qui émergent, on parle de l'émergence, c'est grâce à l'agriculture. Pour nous qui sommes Congolais, on a cette difficulté-là de ne pas penser à une certaine technicité. C'est tout le monde au Congo qui veut devenir de maître avocat, c'est tout le monde qui veut devenir médecin. Mais il y a un secteur négligé et c'est ce secteur-là qui fait à ce que les pays se développent. Si vous allez bien suivre l'histoire de la Chine antique, et la Chine s'est développée grâce à l'agriculture. Mais pour votre information, en Chine, ils n'ont pas cette terre ici que nous avons en République démocratique du Congo. Et des fois, ils se mettent des produits sur des pierres. Ce sont des leçons de l'histoire que vous avez tous apprises à l'école. Madame, maintenant, quelles sont les difficultés que vous avez? Les difficultés que vous avez dans les métiers, au centre, dans vos activités, c'est que vous faites? Nous trouvons des difficultés concernant les gens qui veulent passer l'inscription. Parce que lorsqu'on lance l'offre, ils se demandent « Ah, comment je peux commencer à pratiquer l'agriculture, un jeune comme moi ?» Alors, ils préfèrent toujours rester dans des bureaux, ils ne savent pas l'importance de l'agriculture. Alors que c'est l'agriculture qui est à la base de tout. C'est le seul secteur, je peux dire, qui peut relever le défi des sous-développements dans notre pays. Donc, quand on pratique l'agriculture, parfois on part avec eux, on sème. Après 5 jours, on revient, ils vont voir, ah, mais ce qu'on avait semé, ça a germé. Alors, c'est par là qu'ils sont intéressés. Mais au commencement... Pour se sacrifier dès le début, là, c'est un peu compliqué. Oui, oui. Alors, quand ils vont voir que ça a germé, après encore une semaine, ils reviennent, ils vont voir, oh, ça a poussé encore par rapport au jour-là. Vous allez voir qu'ils sont tellement intéressés. Et quand on leur dit que dans 3 mois, vous allez récolter et vous aurez des pastèques, par exemple, et vous aurez, sur 1 hectare, vous aurez au moins 5000 pastèques. Et là, ils sont intéressés. Je voyais avec vous... pas plus tard que ce matin, quelques images
de beaucoup d'hectares. Tu m'as parlé des hectares d'arachides. Oui. Maintenant, après la récolte, vous faites la vente comment? Je sais bien que tu es intéressé par ces gens-là. Comment vous les orientez? La vente s'est faite dans différents marchés, ici à Kinshasa. Mais ça dépend aussi des périodes. Il y a des périodes que vous allez voir le prix est élevé et d'autres périodes vous allez voir que le prix est bas. Mais normalement, après récolte, il y a toujours intérêt. Vous allez voir que chaque culture est rentable. Oui. Normalement. Ah. Et je me rappelle d'un frère qui me disait toujours, pour bien se développer, et si vous avez des moyens, il faut penser aussi à l'agriculture. Parce que tout le monde, comme tu disais tantôt, c'est un secteur qui touche à la vie de chaque personne. Même le président de la République, le matin, il a aussi besoin de boire du thé. Et dans ces mélanges-là, l'agriculture va intervenir. Il a aussi besoin de manger. L'agriculture va intervenir. C'est-à-dire, nous, nous interpellons déjà les dirigeants de la République démocratique du Congo, particulièrement le ministère de l'Agriculture. Est-ce que tu as déjà eu la chance de toquer là-bas? Pas encore. Le ministre de l'Agriculture, je sais bien que c'est un frère de l'IDPES, si j'ai une bonne mémoire. Ce sont des jeunes entrepreneurs, entrepreneuses que vous pouvez aider et assister. Et madame, là, un problème, il y a aussi un problème de conception des projets. Est-ce que jusque-là, vous avez déjà conçu un projet? Oui, j'ai des projets. Concis ou bien vous avez des projets concis sur papier? Déjà, bon, vous avez concis des projets. Tout terminé, mais. Premièrement, parmi les projets que tu as concis là, tu as d'abord. Parlez-moi d'un projet que vous avez concis. Sur quel domaine? C'est concernant l'agroalimentaire. L'agroalimentaire. Oui, transformation. Oui, oui, j'avais conçu parce que on a vu qu'en RDC, il y a 80 millions de terres arables. Arabes, exactement. Et il y a aussi 4 millions de terres irrigables, facilement irrigables. Mm-hmm. Mais madame, pardon, ce sont des termes purement techniques. Mm-hmm. Ceux qui nous suivent, peut-être moi qui ai eu cette chance-là, quand on parle de terres arables, je peux comprendre. Maintenant, un étudiant, un diplômé qui ne connaît pas ce qu'on appelle terre arable, j'insisterai à ce que chaque fois qu'il y a un terme technique, que tu puisses bien expliquer que les téléspectateurs nous suivent. Oui, oui. Donc, des terres qui peuvent être exploitées ou cultivées. Arables, ok. Oui, quand je parle d'irrigables, donc des terres qui peuvent être alimentées facilement par l'eau. Alimentées facilement par l'eau. Oui, oui. Ça, ce sont vos termes techniques. C'est pourquoi je souhaiterais à ce que chaque fois qu'il y a un terme technique comme ça, vous puissiez expliquer que les téléspectateurs aussi. Ok, continuez, c'était avec les projets. Malheureusement, c'est 1% de ces terres-là qui est exploité ici en RDC. Vous dites 1? Oui, 1%. Sur les 80? Oui, oui, sur les 80 millions. 1%. Ça, c'est selon les statistiques. Oui, oui, selon les statistiques. Mmh. Alors, le sous-développement, donc notre pays est dans le sous-développement. Parce que l'économie, donc le secteur agricole peut facilement élever l'économie de notre pays. Mm-hmm. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai écrit les projets en agroalimentaire parce que il y a. Et aussi, là, vous avez estimé d'abord quel montant? Quel montant? Parce qu'il faut déjà, quand vous élaborez un projet, il faut estimer déjà si ça pouvait vous prendre combien d'argent. Vous n'êtes pas arrivé à ce niveau-là? Non, non. Je connais, ça peut prendre combien par hectare? En combien par hectare? C'est par rapport à ça qu'on pouvait faire des calculs pour voir. Vous savez, quand vous partez déjà au ministère, tout ça, il faut étudier les tout. Parce que lorsque votre dossier va passer au niveau des conseillers techniques, et à partir de là, chez les experts, ils vont voir tout ce que vous avez dit pour vous passer dans les bureaux d'études avant qu'on puisse de libérer quoi. Les financements, c'est comme ça qu'on appelle, avant de financer. Parce qu'on ne peut jamais financer un projet qui n'a pas été conclu. C'est-à-dire cette la conclusion là va se faire au niveau directement de l'élaboration des projets. Vous élaborez, vous dites que, par exemple, ce projet ici est estimé à 1 milliard ou à 1 million de francs congolais. Maintenant, il faut montrer de quelle manière vous allez gérer ça. N'oubliez pas qu'il y a IGF, madame. Il y a IGF qui est là pour
suivre tous les dossiers, tout ce qui a trait au financement. Je disais, vous avez estimé à 1 hectare, oui. Quel montant? Bon, normalement, plusieurs cultures, on dépense souvent 500 $ par hectare. $500 par hectare. Oui. Et là, vous cultivez, vous sèmez, vous attendez qu'il y ait la récolte. Oui. C'est-à-dire, vous me dites qu'avec $500, j'ai 1 hectare, que ce soit des maniocs, des arachides. Oui. Chers téléspectateurs, vous voyez, vous partez à Loufou inutilement. À Loufou inutilement, avec vos $500, investissez dans l'agriculture. Peut-être dès le début, vous voyez que c'est rien. Mais au fur et à mesure, ça va produire 3 mois. Au plus tard, c'est 6 mois. Oui. 6 mois, c'est les maniocs. Les arachides, c'est 3 mois. Oui, et les maïs aussi. Oui. Et aussi, il faut soutenir les jeunes entrepreneurs, comme ça, et entrepreneurs. Parce que c'est un secteur oublié. Et c'est ça, le développement. Un pays ne peut se développer sans l'agriculture. Et là, nous avons étudié, si je me rappelle bien, dans les cours de l'économie. Un pays ne peut se développer sans l'agriculture. Et aussi, dans l'enseignement universitaire, il y a aussi un cours. Il y a un cours que nous apprenons, moi personnellement, je fais la science sociale, gestion ressources humaines. Il y a un cours qu'on nous parle de l'élaboration des projets. Dans l'élaboration des projets, on nous parle que, quand on parle du développement, le premier secteur, c'est l'agriculture. Mais c'est l'agriculture que les Congolais négligent. Les Congolais veulent toujours les histoires jouer, Paris foot. Là, vous avez 1 million après. Maintenant, pour s'aimer dans la terre, c'est tout un grand problème. Madame, tu évolues déjà dans ce secteur il y a combien d'années? Depuis que tu as fini. Tu as maintenant combien d'années? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Oui. Quels sont les bons souvenirs? Tu n'en as pas? J'en ai beaucoup encore. Ah, beaucoup encore? Oui. Si tu peux quand même... Tu peux témoigner quand même, tu es suivi. Hein? Oui, j'ai déjà formé. J'ai formé déjà plus de 50 étudiants. J'ai formé dans plusieurs centres de formation. On m'appelle, viens donner cours. À part ça, j'accompagne plusieurs projets. J'ai des investisseurs. Donc, celui qui a, par exemple, 5 hectares, il veut faire l'agriculture. Et il me contacte, je vais l'accompagner très bien. Et c'est ça. C'est ça, madame a besoin de gens pour un bon accompagnement. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous suivent? Je parle d'abord au gouvernement, parce que la chaîne de Mukulu Télévision est tellement suivie, même au niveau de la présidence de la République. Hein, la chaîne est tellement suivie. Si vous pouvez lancer un message, maman Denise Nyakero, elle est là pour financer certains projets. Le président de la République lui-même, et aussi d'autres personnes de bonne foi qui nous suivent présentement. Votre message? Oui, je voulais parler surtout aux jeunes. Parce que les jeunes, ils parlent toujours de notre pays, alors qu'ils ne se demandent pas eux-mêmes, ils ont déjà fait quoi pour ce pays. Nous devons aussi travailler pour ce pays. Si tout un chacun de nous peut produire quelque chose, on peut vraiment améliorer. Donc, on doit nous valoriser. Et avoir confiance en nous et aussi travailler. Ne restons pas dans des bureaux. Au bureau, il n'y a pas l'argent. L'argent, c'est dans les sols. C'est ça. Je retiens les dernières paroles de madame Boukassa. Il dit, au bureau, il n'y a pas d'argent. L'argent, c'est dans les sols. Et là, d'autres Congolais ne comprennent pas. Mais sinon, moi, j'ai eu la chance de présenter avec toi cette émission. C'était pour moi un plaisir. Nous sommes au début de l'année, madame. La chaîne de Mukulu Télévision vous souhaite une fois de plus une heureuse année et nous vous accordons le temps de saluer même 5 personnes qui te souhaitent, que tu peux souhaiter une heureuse année. On vous suit. D'accord. Je souhaite une bonne année, premièrement, à mes collaborateurs. Il y a ingénieur Merveille et ingénieur Chris qui travaillent avec moi pour le moment. Je souhaite aussi une bonne année à l'un de mes étudiants au centre AgriLabora Academy. Premièrement, je souhaite au docteur Jacques, je souhaite aussi à M. Lievance. C'est tout. C'est tout. Madame
Vous êtes marié ou ça c'est une question comme nous disons en lingala de songi songi. Tu es marié ou célibataire, non, madame? Non, je suis célibataire. Tu es célibataire, oui. Engagé? Non, pas encore. Pas encore. Oui. Madame célibataire, engagée, pas encore. Moi aussi, au nom de la chaîne de Moukoulou Télévision, je commence d'abord par vous dire que c'est mon mois, le mois de ma naissance. Bientôt là, je vais fêter mon anniversaire. Les téléspectateurs, tous vos cadeaux, je n'ai pas besoin de souhaits. J'ai besoin des cadeaux en espèces. Des cadeaux en espèces. Et je ne fête pas celle. Nous allons fêter Adé. Moi et notre coordonnatrice Lamartine Tambo. Et ça va chauffer. Hein. Ça va beaucoup chauffer. Je salue Héritier Yahweh qui était toujours à son poste pour des belles images. Voltaire Kazadi, quelque part. Maman Cordo Lamartine Tamba. Depuis Yolo Capé, la 12e rue. Je le remercie depuis quelque part. Merci beaucoup. Papa Bavon, mes respects, bientôt là, enrôlement, Kassai Oriental. En Lingala, on dit comment? Oboye Okiyi, Bavon ou rien. Je m'arrête par là. Abonnez-vous massivement.